Sur Be Light édition Stephen Denoward, ma rencontre avec les extraterrestres. Vous avez vu la tête qu'il a sur moi. Je devais le prendre depuis un moment et je viens de le prendre. J'attends aussi David Rousseau, Tricia Brett, courant juin. C'est normal, c'est derrière. Et je suis bien content de l'avoir reçu parce que c'est fascinant. J'ai pas encore lu vraiment, mais j'ai lu quelques passages, c'est extraordinaire. Comme quoi, il y a des histoires bien avant, que ce soit Marc Bettemont, que ce soit David Rousseau, Elena Danan, ou Tricia Brett, voilà, c'est pas nouveau. Elisabeth Clarer aussi dans les années 50, George Adamski, hein, donc là c'est Stephen Denaerd, pareil. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a un tome 2, mais je sais pas s'il a été traduit. Donc ça se passe en 69 je crois son histoire. Donc mais je suis bien content de l'avoir. Comme quoi il y a plus de 50 ans déjà. Hein. Allez, Stéphane Denaerd. Un pseudonyme qu'on pourrait traduire par Stéphane de la Terre relate la rencontre inattendue et extraordinaire vécue en 1969 par ce néerlandais que rien, absolument rien, ne prédisposait à devenir le témoin choisi de cette formidable plongée dans un monde inconnu. Pendant les quelques heures qu'il a passées dans leur vaisseau, quelque part dans un canal des Pays-Bas, où ils étaient venus refaire leurs réserves d'eau, ces êtres venus de cette lointaine planète lui racontent, et lui font vivre en image leur monde. La civilisation Yargane, alors I-A-R-G-A-2-N-E, hautement évoluée et technologiquement très développée que nous découvrons dans ces pages pourrait servir de modèle à suivre pour la nôtre dans le but de créer une civilisation durable et éclairée. Bien sûr, leurs conditions planétaires et les nôtres sont différentes, mais ils ont su tirer un bénéfice maximum de leur environnement sans le détruire, en optimisant les ressources et les productions et en minimisant le temps consacré au travail pour chacun. Les larguants, je crois que ça doit se dire comme ça, sont ainsi plus libres, ce qui leur laisse tout le loisir de s'adonner à des tâches plus amusantes, comme de créer par l'esprit de merveilleuses compositions visuelles et musicales qui ont frappé l'esprit de Stéphane. Stéphane Denaerd est resté en contact télépathique avec ces sympathiques humanoïdes pendant plus de 20 ans après son expérience. Ces contacts ont fait l'objet d'un deuxième livre. Alors, je sais pas, j'ai pas le deuxième, peut-être un jour, je sais pas s'il existe. C'est tant qu'il traduit en France. Et en plus, c'est quand même une histoire qui est pas nouvelle. Voilà. Alors, il y a eu le prix, hein, franchement. J'ai payé peut-être un peu plus, je crois que les frais 17 ou 18. Et franchement, quand tu vois la tête, c'est intéressant. Là, comme quoi, il y a différentes races. Il n'y a pas que les gris, les galactiques. Il y en a tellement. C'est inimaginable. Voilà. Sauf dans le dos des étoiles, c'est un truc de fou, quoi. Alors. Je vais vous lire directement le chapitre 1. On va vous le trouver hein, sur Be Light, hein, c'est pas compliqué. Hein. B-E-L-I-G-H-T, édition. Hein, c'est pas... Directement le chapitre 1. Confrontation. Il y a beaucoup de pages en plus. Stéphane Denaerd à gauche avec Wendell Stevens à droite. Alors j'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous dire. Voilà. Deuxième tome, j'espère qu'un jour il pourrait y avoir, ça serait un peu dommage. Alors, préface de l'auteur, ce que je vous le remettrai de toute façon. La représentation du type d'extraterrestre, telle vue par Stéphane Denaerd. Autre illustration un peu plus loin dans le livre. Voilà. Alors, ne me demandez pas, on dirait même plus un animal qu'autre chose, mais voilà. On dirait même un peu une tête de singe, si vous regardez bien. Si tu enlèves un peu la crête au-dessus, hein, sur le cou, même le nez. Hein. Comme quoi, il y a tellement de races, c'est un truc de fou. Quoi. Je ne peux pas vous décrire. Hein, alors,
Confrontation. Je vais vous lire ça. Il y a beaucoup de pages à lire en plus. Oui. Tant mieux, ça fera passer le temps. Ok. Et chapitre 2, c'est à bord du vaisseau spatial, mais ça j'y reviendrai une autre fois, dans une semaine ou 10 jours, j'en sais rien quand. Chapitre 1, confrontation. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Et franchement, je pense que vous pouvez le trouver là, parce que sur Amazon, je ne sais même pas s'il est dessus. Je ne suis pas sûr. Pas. Confrontation, chapitre 1. Yarga, je peux dire maintenant que la planète verte, sombre, fascinante, avec son ciel rose sombre, n'est pas un rêve, mais soyez patient. Je dois d'abord trier la masse de renseignements accumulés au cours de mes expériences étonnantes et les relier avec logique et cohérence. J'ai un extrême besoin de mettre en ordre mes souvenirs chaotiques pour m'aider à redevenir celui que j'étais auparavant. Il me coûte de me remémorer comment je me sentais en ce beau soir d'été à bord de mon yacht qui était ancré dans les eaux calmes de l'Escaut oriental, tel un cygne blanc dans le delta du sud-ouest des Pays-Bas. Mon fils a interrompu ma rêverie pour me dire que la boussole ne marchait plus. Je pensais qu'il me faisait une plaisanterie, mais il a insisté que c'était vrai. Sur la petite bande de terre au-dessus de l'horizon, je pouvais voir la lumière qui marque l'entrée du port à Burluslui. Encore incrédule, je me levais pour aller voir, et là ma femme, mon fils et mes filles étaient debout en regardant la boussole comme s'ils n'avaient jamais vu cela de leur vie. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ça commence fort, hein. J'ai pas encore lu. Hein. La rose des vents était penchée et touchait le verre de protection, mais le pire était que l'aiguille pointait en direction du point de Zélande à l'est. J'ai donc commencé une enquête minutieuse pour découvrir la défectuosité. Dans l'intervalle, Myriam a fait la vaisselle et mis les enfants au lit. La nuit commença à tomber lorsque j'ai décidé de revenir à Burluslui. Et le fait que j'avais été incapable de trouver la cause de la panne m'irrita particulièrement. Myriam avait raison de dire que je ne devrais pas me casser la tête pour la boussole à la fin d'une si belle journée. Mais je ne pourrais pas me reposer jusqu'à ce que je sache ce qui n'allait pas. Nous atteignîmes enfin le port. J'ai poussé l'embarcation à pleine puissance à travers l'obscurité de l'Escaut. La bouée était déjà lumineuse. J'ai lu le chiffre automatiquement et viré brusquement à bâbord. Dans le lointain, on voyait la prochaine bouée qui indiquait le chenal de côté de Burluslui, environ 6 miles et nous serions à la maison, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu, il arriva une chose incroyable. Alors ça c'est la flèche pointe en direction de l'endroit dans l'Escaut oriental Zélande où le contact eut lieu au milieu des années 60. Soudain sortie de l'obscurité, une intense lumière bleu-blanc d'un projecteur clignota. Elle semblait venir d'un point directement devant la proue, et en même temps j'ai entendu un son aigu qui couvrait le bruit du moteur. Mon cœur se mit à battre la chamane. Cela se passa si rapidement qu'il me fallut plusieurs secondes avant de réagir. Je voulus faire machine arrière, mais il était trop tard. Avec un bruit effrayant, le bateau s'arrêta contre quelque chose de solide, mais quoi ? Qui sur terre serait au milieu du chenal sans lumière ? Tremblant, j'arrêtai le moteur. J'ai arrêté le moteur et dans l'immobilité soudaine, j'ai vu le visage surpris de Myriam passant la tête par la porte de la cabine. J'ai crié « Qui est là ?» en direction de l'eau. En réponse, la lumière s'est éteinte. Myriam est venue sur le pont et derrière elle se tenaient les enfants terrorisés. « Regarde, là dans l'eau, cela ressemblait à la coque d'un navire renversé. » Ouais, d'accord, je vois déjà le truc. « Et se trouvait à environ 8 mètres. Qui est là ?» ai-je appelé. Une deuxième fois, le projecteur s'est rallumé, un faisceau lumineux très étroit balaya l'eau et jeta une lumière froide sur le côté de l'embarcation. Mon souffle s'arrêta. Quelques secondes, transporté par le courant, un corps humain flottait, le dos tourné vers le haut, apparemment sans vie. Les actions qui ont suivi ont été réalisées dans une sorte de frénésie. Je n'avais qu'une pensée à l'esprit, faire quelque chose rapidement avant que le corps ne dérive dans l'obscurité. Instinctivement, je réalisais les opérations préméditées plusieurs fois dans mon esprit dans le cas d'une chute par-dessus bord d'un de mes enfants. Quelques secondes plus tard, j'ai sauté par-dessus bord avec le câble du canot de sauvetage dans ma main. Incroyable, l'eau n'était pas plus profonde qu'un mètre et je me blessais aux genoux et chevilles contre une chose aussi dure que l'acier. Surpris, je lâchais le câble du canot, je vacillais en essayant de rester debout et je me laissais aller en avant pour récupérer le finin. Nageant avec le canot derrière moi, je réussis enfin à récupérer le noyé. Il ne bougeait plus. Bougeait pas. Comment faire pour le hisser à bord ? Je dus d'abord l'assurer avec un câble.
puis grimper dans le canot en premier et tirer sa tête hors de l'eau, puis fixer le filin. C'est à ce moment-là qu'un signal d'alarme s'est mis à résonner dans mon esprit. Quel genre d'homme était-ce? Il était vêtu d'une sorte de combinaison métallique qui le maintenait à la surface de l'eau et un étrange casque lui couvrait la tête qui reflétait une intense lumière bleue qui empêchait de voir son visage. J'ai commencé à penser aux astronautes, mais comment ont-ils fait pour amerrir dans l'ESCO? Alors déjà, il y a un problème, hein. Un astronaute dans l'eau, bon. Oui, ça aurait pu, mais bon. J'y mets en marche mon hors-bord et j'avançais lentement vers mon embarcation et me demandant ce que j'allais faire maintenant. Ce fardeau étrange à côté de moi était inhumain. J'étais de plus en plus troublé, mon indécision augmentait de minute en minute. La lumière bleue m'indiquait clairement que je devais continuer et elle était maintenue dans ma direction par quelqu'un qui suivait de près le sauvetage. Du début de la fin. Mais que vous dit-il à la fin? Terriblement troublé, je finis par accoster à mon yacht. J'ai amarré le canot et stoppé le moteur hors bord. Dans le silence, j'ai entendu la voix de Myriam et de ma fille aînée. Dieu merci, tout allait bien de ce côté-là. À ce moment, je fus submergé brusquement par un grand faisceau de lumière. C'était le coup de grâce pour mon esprit. Il y a eu soudain une mer de lumière, une grande lumière diffuse sous la surface de l'eau. Un son me fit me tourner vers l'objet étrange dans l'eau et j'ai vu une forme sombre patauger rapidement vers moi. C'était une copie parfaite de l'être que j'avais repêché avec la même couleur métallique brillante et une boule transparente autour de sa tête. Pas à pas, il se rapprochait davantage et j'ai instinctivement saisi la gaffe pour me défendre. Alors déjà, je vous montrer la carte et comment ils sont. Déjà, ça commence très fort. Voilà, alors là, c'est la flèche pointe en direction de l'endroit dans l'ESCO oriental, Zélande, Nouvelle-Zélande. Si je ne me trompe pas, où le contact eut lieu au milieu des années 60. Alors, je vais vous montrer comment ils sont. Alors, tel qu'ils se tenaient à bord d'un navire flottant, lorsqu'il les a vus pour la première fois, image de Jim Nichols. Les astronautes, ouais. En plus, leurs bras, ils sont très longs. Ils arrivent pratiquement aux genoux. Excusez-moi pour le flou. Je leur ferai les photos à plus haut propre, encore une fois. C'est magnifique. Comme quoi, des êtres extraterrestres, il y en a des centaines, des milliers de races. Et puis, ouais, c'est pas... Ouais. Il y en a qui s'imaginent toujours les gris. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a différentes races de gris aussi. Il y a de tout, hein. De fou. Il leva un bras dans un geste amical, se tournant son visage vers moi. Je sautai en arrière comme si j'avais été mordu par un serpent. Une peur sauvage m'a coupé le souffle. C'était un cauchemar. Une sensation terrible, indescriptible, s'est emparée de moi. L'être qui était en face de moi n'était pas humain. Un visage semblable à un animal, ce que je vais te dire tout à l'heure, je l'ai pas encore lu, aux pupilles carrées, mais ses yeux étaient hypnotiques et confiants. Cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je me tenais là face à un étranger étant d'une race plus intelligente que la mienne. Mais pourquoi avais-je encore si peur? Je ne peux expliquer. Si cela avait été un gorille, par exemple, alors j'aurais rapidement sauté à bord de mon navire et me serait défendu avec la gaffe pour empêcher l'animal d'avancer. Il n'y aurait eu aucun temps pour une peur qui venait du sentiment d'impuissance en reconnaissance de sa supériorité. La peur s'est transformée en panique, une panique qui m'a dit de m'éloigner de là aussi rapidement que possible avant qu'il soit trop tard. Je sautai à nouveau par-dessus bord et courus à travers les eaux peu profondes vers mon bateau comme si j'avais le diable à mes trousses. Angoissé, je me suis monté. Je suis monté à bord et rallumé le moteur. Il fallait refaire marche arrière à pleine puissance. Je voulais m'éloigner de lui, de là, aussi rapidement que possible. Bah, de lui aussi, ouais, enfin, il y en a deux. Le navire est resté immobile devant moi, un peu sur le côté. Je vis cet être soulever le corps du noyé dans ses bras et marcher à pas de robot sur la plateforme sombre et disparaître. Avec un sentiment de crainte, j'arrêtai le moteur. La situation à bord était étonnamment paisible car il n'avait aucune idée du drame réel. Il y avait un sentiment de satisfaction sur la capacité du père comme sauveteur. Ma fille aînée avait développé la théorie que nous avions heurté un sous-marin, ce qui n'est pas tellement improbable, considérant que nous étions à proximité d'un secteur d'entraînement naval. Seule Myriam s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas.
Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger et son malaise s'est accru de minute en minute. Elle ne m'avait jamais vu dans cet état. Elle me versa un whisky et envoya les enfants au lit sous prétexte que nous devions nous parler tous les deux. L'alcool me fit du bien, mais maintenant, il semblait qu'il y avait un autre problème. Myriam, ne me croyez pas, tu es surexcité. Steph, tu dois te calmer. Dans l'Escaut oriental, il n'y avait vraiment pas de martiens. Elle continue à parler, peut-être pour essayer de nous donner du courage à tous les deux. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur, il fallait que je voie ce qui se passait à l'extérieur. Avec une lampe de poche dans une main et une gaffe dans l'autre, je montai sur le pont et fis glisser le faisceau de lumière sur la plateforme. C'était juste au-dessus de la surface de l'eau, une chose horrible, gris-noir de 16 mètres de diamètre, qui avait la même longueur que notre navire. Elle reposait sur une saillie qui reflétait la lumière si fortement qu'elle ressemblait à du verre. Au centre s'élevait une colonne en métal, légèrement spiralée, haute d'environ 2 mètres et large d'environ 50 cm. La taille totale de la chose m'a surpris, je savais que le reste était encore immergé. La plateforme émergeait de l'eau d'environ 3 à 4 mètres et se prolongeait par une partie immergée. Se pourrait-il que ce soit une de ces soucoupes volantes dont on a tant parlé? Était-elle réellement aussi énorme et pouvait-elle aussi fonctionner sous l'eau? J'éteignis la lampe de poche et commençais à sonder systématiquement autour du navire avec la gaffe. Devant, environ 40 cm et à l'arrière, environ le double, il est étrange que chaque fois que je dois utiliser la force pour remonter la gaffe, comme si quelqu'un le retenait au fond de l'eau. Soudain, je me suis rappelé l'étrange problème de magnétisme de la boussole. Oui, nous sommes entrés en collision avec un énorme monstre magnétique. Nous étions collés à un puissant aimant. Nous étions à la merci d'étranges extraterrestres. L'unique possibilité de fuite était le canot pneumatique. En cas d'urgence, il y avait de la place pour nous tous. Le canot de sauvetage était encore au même endroit que sur la plateforme et dans le calme de cette isolation complète, j'élaborai un plan audacieux. Après tout, le canot pneumatique était seulement à 8 mètres environ. Pour la troisième fois ce soir, j'ai sauté dans l'eau, pataugé aussi rapidement que possible jusqu'au canot et j'ai détaché. 30 secondes plus tard, j'étais de retour à bord avec le canot le long du bord. Avais-je réussi? Je commençais à reprendre confiance en moi, mais mon incertitude revint lorsque j'entendis un sifflement strident. J'ai attrapé le projecteur et dirigé le faisceau sur la plateforme. Sur le bord, une sorte de couvercle à charnière s'ouvrit lentement et régulièrement. Du trou émergeant, deux silhouettes habillées de combinaisons spatiales maintenant familières et qui tiraient derrière eux des objets reliés par des câbles ou des fils. Leurs mouvements me faisaient penser à ceux de vieux films muets, rapides et saccadés. Ah ouais, il faut imaginer le truc. Bah déjà, ça se passe dans les années 60. Alors imaginez les films muets des années 20, hein, je crois 20, 10, 20. Charlie Chaplin, ça commençait là. Hein. À peu près 20, les années 20, 10, ouais. Ouais. Après, la Première Guerre mondiale ou un petit peu après. Ouais. Une fois sur la plateforme, les deux firent une révérence lente et solennelle dans ma direction, portant une main sur leur casque à environ la hauteur de leur front. J'ai compris quel soulagement. C'était une salutation, un salut amical, respectueux, à petits pas rapides. Ils arrivèrent au bord de la plateforme. Là, ils répétèrent leur révérence avec emphase, qui puis restèrent immobiles comme des statues dans la lumière de ma lampe. Une scène étrange et dramatique. Sur l'Escaut, un homme est confronté à une intelligence extraterrestre. Mais l'homme a été mal préparé pour cette rencontre. Il n'est rien de plus qu'un marin en difficulté qui sentait trembler ses jambes dans ses vêtements mouillés. Les deux formes en face de moi avaient environ 1 mètre 40 de hauteur. Les bras, la tête, les jambes, tout était à la bonne place, mais leurs jambes étaient plus courtes que les nôtres. C'est pour ça que quand j'ai vu l'image, les bras ils sont longs. Ils arrivent complètement aux genoux. Donc c'est les jambes qui sont plus petites. Leur habit métallique était lisse et sans couture. Seulement aux épaules et coudes, on pouvait entrevoir des plis. Les jambes courtes et massives se prolongeaient par de larges pieds qui dépassaient aussi derrière. Sur le devant, la chaussure était fendue en deux. Les mains étaient couvertes de gants élastiques, souples, côtelés. Elles étaient différentes des nôtres en ce que non seulement le pouce, mais aussi l'index étaient opposés aux autres doigts. Ils étaient semblables à des griffes. Ils portaient à la taille une large ceinture dorée, d'où pendaient d'étranges outils. Un d'entre eux était clairement un marteau avec une extrémité pointue, et à droite, il y avait quelque chose qui ressemblait vaguement à un pistolet. Au milieu de l'abdomen, il portait une sorte de dévidoir avec un fil mince et brillant.
Le reste de leur équipement était inconnu pour moi, leurs bras robustes et longs, leurs épaules ainsi que leurs mouvements rapides me donnaient l'impression d'une immense force physique. Leur casque était moins transparent que j'avais pensé à l'origine. Alors déjà, quand tu as une impression d'une immense force physique, c'est que c'est vrai. Bah, vous savez, faut pas oublier que c'est une sorte de télépathie, tu ressens des choses. À mon avis, c'est qu'ils avaient une force terrible, enfin, je pense. Force physique, une immense force physique. Donc, quand tu penses à des trucs comme ça, c'est que tu as le sentiment que, bon. Leur casque était moins transparent que j'avais pensé à l'origine. Lorsque je dirigeais le faisceau de ma lampe de poche sur eux, ils se changèrent en scintillantes boules d'arbres de Noël. Ce n'est qu'avec une lumière plus latérale qu'on pouvait distinguer faiblement leur tête. La confrontation silencieuse fut soudainement brisée par une voix dure et métallique. Comprenez-vous l'anglais? J'ai presque sauté hors de ma peau. En raison de ma surprise qu'ils savaient parler anglais, je n'avais pas réalisé qu'ils m'avaient posé une question. Cela n'avait pas le ton d'une question, cela sonnait davantage comme une affirmation. Comprenez-vous l'anglais? La même question flotta au-dessus de l'eau. Oui. Nous voulons vous remercier pour le sauvetage d'un des membres de notre équipage. Qui êtes-vous? Nous venons d'un autre système solaire. Ah déjà, c'est clair et net. Hein. Je pense que Sacrebleu, criai-je en retour. C'est tout ce que je pouvais articuler à ce moment-là. Il s'ensuivit un bref silence. Je m'interrogeais sur cet accent étrange qui, en fait, ne fait sonner pas anglais du tout. À mes oreilles, cela sonnait davantage comme du néerlandais, ma propre langue. Je comprenais parfaitement, mais je ne pouvais pas répéter un seul mot de ce qu'ils ont réellement dit. La voix s'est fait entendre encore une fois, et au-dessus de l'eau, toujours obscure, a commencé une conversation incroyable. Votre navire a-t-il été endommagé? Non, je ne pense pas. Voudriez-vous éteindre la lumière? D'accord. Merci. Le navire vous appartient-il personnellement? Oui. Avez-vous un émetteur radio à bord? Non. Nous tenons à vous montrer notre gratitude pour le sauvetage de notre membre d'équipage. Vous pouvez le faire en répondant simplement à quelques questions. C'est vraiment trop fort. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Nous sommes près de votre planète depuis un certain temps. Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi vous n'avez-vous pas essayé d'entrer en contact avec nous? Notre raison, c'est que vous ne connaissez pas les lois d'une civilisation plus évoluée. Je ne comprends pas. Il y a encore beaucoup de choses que les habitants de cette planète ne comprennent pas. J'hésitais. Que savaient-ils de nous? Vous nous connaissez bien. Nous vous avons longuement étudié. Vous n'avez pas une très haute opinion de nous, je suppose. Votre remarque fait preuve d'une certaine intelligence. Votre peuple est-il plus intelligent que le mien? Non, seulement plus évolué. Oui, entre évoluer et intelligence, c'est quand même deux choses. Bon. Si c'était le cas, alors je ne comprends pas pourquoi vous n'aviez pas pris contact avec nous. Vous pourriez nous aider. Ceci constituerait une violation des lois de la nature. Je haussai les épaules. Malgré cette situation étrange, je commençais à me sentir plus à l'aise. Il s'agissait d'une rencontre d'une importance inimaginable et je commençais, bah oui, à me demander comment je pourrais satisfaire mon désir d'information sur ces êtres. Je pourrais apprendre des choses que l'homme, pendant des siècles, a seulement pu deviner, et je pourrais découvrir leurs vaisseaux spatiaux. Alors, vous imaginez que ça, c'est les années 60, hein, 68, 9, je sais pas, j'ai pas encore du début, mais apparemment c'est en 69, hein. Et bien avant, je suis pas là pour critiquer, hein, de toute façon, Marc Bettemont, je veux dire, nan, 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 c'est pas nouveau. Hein, et, comme, voilà, hein, c'est des histoires qui ont plus de 50 ans. Hein. C'est pas nouveau. Je pensais aussi à Elisabeth Clareur, Georges Adamski, donc c'est pas nouveau. Et peut-être même qu'il y a des histoires, toi, je me pose la question, que des gens ils ont fait des rencontres extraordinaires avec sur d'autres planètes, un truc de fou, mais qu'ils l'ont jamais dit, par peur du ridicule. Et ça, c'est fort possible aussi, hein, c'est ça le problème. Tout le monde. Et puis ça va, ils vont porter ça jusqu'à leur mort, hein, malheureusement. Enfin, façon de parler. Donc, ils diront pas, quoi. Il y en a certains, ils diront pas. Bon. Nous tenons à vous donner quelque chose pour vous remercier. C'est un objet avec lequel vous pourrez prouver notre existence. Il aura certainement une valeur inestimable. Nous espérons que vous l'accepterez. Il est stérilisé. De quel objet s'agit-il? C'est un bloc de métal inerte, maintes fois plus fort que votre meilleur acier et seulement moitié aussi lourd. Faut pas demander. Il a une structure supraconductrice qui est si directe que le courant peut seulement passer. Lorsqu'un pôle positif est placé directement face à un pôle négatif, en alignement avec la structure du métal, si l'un des électrodes est déplacé uniquement d'un millième, le courant s'interrompt. Avec cette structure, il est possible, avec des électrodes correctement placées, de construire un modèle de courant en spirale. Le résultat final est que lorsqu'un courant continu est relié à deux câbles d'alimentation, un super aimant a été créé avec une consommation de courant négligeable. Ce métal a une température de fusion plusieurs fois supérieure à celle du meilleur acier existant sur Terre.
suis pas étonné, hein, de toute façon, de ce que je dis là. Bon. Nous utilisons ce métal pour l'enveloppe externe de nos vaisseaux spatiaux. C'est le cadeau, nous espérons que vous l'accepterez. J'ai été très impressionné, c'est un cadeau extraordinaire et précieux, je suis reconnaissant. Je n'attendais pas de cadeau pour le sauvetage de votre membre d'équipage, mais j'imagine que votre intention est de nous aider, je l'accepte avec mes plus sincères remerciements. Alors, nous admirons votre désintéressement, mais nous devons souligner que le bloc de métal représente une technique bien trop avancée pour être utile pour vos recherches. Donc techniquement, il n'y a aucune valeur pour vous, mais vous avez raison de penser qu'il... Ah oui, bah en plus, oui, parce que pour nous, eux, il n'y a pas de problème, mais pour nous, voilà, faut pas demander. Donc techniquement, il n'y a aucune valeur pour vous, mais vous avez raison de penser qu'il se cache autre chose derrière. Nous souhaitons vous donner une preuve que vous êtes observé par des races extraterrestres intelligentes, qui vous connaissent si bien qu'elles sont capables de communiquer avec vous, mais s'abstiennent de le faire. Nous vivons dans l'espoir peut-être désespéré qu'il existe des gens qui, avec cette information, seront en mesure de comprendre la raison de notre réticence. Et quelle est cette raison? Vous n'avez pas les valeurs, l'éthique d'une civilisation développée. De ce fait, la race humaine n'a encore aucune chance de survie éternelle. Cela bloque la voie à l'intégration cosmique. Et là, 50 ans plus tard, quand même, on commence à voir, et c'est ça qui est magnifique, l'évolution, quand même, l'éveil des consciences. On fait de plus en plus de symposiums sur les galactiques, là, bientôt retour, là, ce mois de juillet, là. Avec Hélène Danan, David Rousseau, le prochain en France, deuxième fois seulement. On commence à se réveiller ici, mais c'est encore long. Hein. C'est pas étonnant, de toute façon. Là, on commence à se réveiller de plus en plus. Parce que là, c'était 50 ans en arrière, plus de 50 ans, hein, 53, 50, enfin, 55 ans, je crois. Hein, bon. 54, 55. Ce qui veut dire que maintenant, on commence seulement à se réveiller. Et cette rencontre, elle a plus de 50 ans. Je sais pas si vous avez bien. Donc il faut encore quelques années pour... Alors il y en a qui parlent de 2025, qui parlent de 2026, Jean-Michel Raoult qui parle de 2024, là bon... oui, il y aura plus en plus de vaisseaux, tout ça, j'ai vu des vidéos extraordinaires, je sais plus il y a pas longtemps, je sais plus où c'était. En plus c'était en Turquie, des trucs magnifiques, des vaisseaux bleus. Pour moi il y a des trucs réels, après il y a beaucoup de fakes malheureusement, beaucoup d'abrutis font des fausses vidéos malheureusement. Ça, il y en a beaucoup trop. Mais c'est vrai qu'on est plus en plus en connexion, plus en plus d'éveil, en conscience, tout ces choses-là. Hein. Là, c'était il y a plus de 50 ans, vous imaginez. C'est seulement maintenant qu'on commence à se réveiller. Je ne sais pas quoi répondre, je n'avais jamais entendu parler d'intégration cosmique et commençait aussi à m'irriter, les galactiques, en gros, on va dire, la fédération. Je l'ai trouvé un peu trop arrogant. Nous considérez-vous comme des enfants? Non, un adulte ne meurt pas un enfant pour le fait qu'il n'est pas encore adulte. Mais vous nous reprochez quelque chose. Eh bien, oui, en particulier à la race blanche. Je comprends qu'avez-vous nous reprocher. N'importe quel noir, chinois ou indien d'Amérique peut vous donner la réponse. La conversation, c'est magnifique. La conversation ne se déroulait pas exactement comme je l'avais imaginé. Ouais. J'avais pensé à autre chose et en même temps, être prudent pour que le contact ne soit pas brisé. J'avais peur qu'il grimpe. Oui, parce que je pense aux Amériens d'Amérique et ils ont disparu à cause de quoi. Bon, c'est de toute façon, hein, je suis pas là pour... Plus grand génocide de tous les temps, comme dit David Rousseau, hein, c'est toujours pareil. Hein. Et puis des religions derrière, hein, c'est ça qui s'est fait pour diviser. Hein. Donc, à partir de là, tant que t'as pas compris ça, c'est tout. Hein. Comme dit David Rousseau, les religions, ce sont des vieilles croyances. Voilà, c'est tout. Bon, après, j'avais peur qu'ils grimpent dans leur soucoupe et que je ne les revisse jamais plus. Je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Puis-je vous poser quelques questions supplémentaires? Je pense... qu'une pareille occasion ne se représentera plus jamais. C'est exact, cette occasion ne se représentera pas pour la génération actuelle. La réponse à mes questions ne semble pas être beaucoup plus importante que le bloc de métal. Votre intelligence nous surprend. La réponse à des questions soigneusement sélectionnées est certainement beaucoup plus importante. J'ai été surpris qu'ils aient accepté ma requête aussi rapidement et facilement. Ils semblaient soudain beaucoup plus amicaux. Dans ce cas, il me plairait de savoir comment sont construits vos vaisseaux spatiaux et surtout, je voudrais en connaître le système de propulsion. Vous nous décevez avec cette question sur des connaissances techniques. La loi naturelle la plus importante qui régit le développement d'une civilisation intelligente est la suivante. Une société hautement technologique élimine toute discrimination sous peine d'autodestruction. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Fournir des informations techniques à un peuple comme vous est un crime grave contre la loi cosmique. La dernière chose dont vous avez besoin,
sont des informations technologiques qui ne feraient qu'accroître le fossé entre votre développement intellectuel et votre développement social presque inexistant. À jouer avec vos missiles et vos sondes, en ce moment, la moitié de votre population mondiale vit dans la pauvreté et la faim. Bah, à l'heure actuelle, c'est pas non plus. C'est vrai que bon, pauvreté et la faim, ouais. Il y a encore du boulot à ce côté-là. Bon, même si on s'éveille pour beaucoup de choses, d'accord, mais à ce côté-là. La seule information dont vous avez besoin réside dans le domaine des normes de la société. J'étais tellement déçu, mon rêve d'apprentissage et découverte technique à couper le souffle est parti en de fumée. J'ai peur que de très peu de gens soient intéressés par ce genre d'informations. Nous partageons cette crainte. Qu'en pensez-vous que le temps sera venu de nous donner des informations sur les voyages dans l'espace? L'isolement cosmique d'une race intelligente peut seulement être levé lorsque le niveau minimum de culture a été atteint. Nous l'appellerons stabilité sociale. Je comprends. De quoi pouvons parler alors? Nous estimons que c'est justifié en raison de vos actions de fournir certaines bribes d'informations qui font réfléchir la génération actuelle. Alors, d'époque, hein, parce que l'actuelle, ouais. Qu'appelez-vous une culture socialement stable? Nous pourrions vous donner la réponse, mais nous doutons que vous comprendriez. Je vais essayer, cela semble important. Assurez-vous que vous sachiez ce que vous voulez. Cette réponse exige une explication en images et en paroles d'au moins 2 jours. En outre, vous devrez choisir entre le cadeau matériel, le bloc de métal, et le cadeau immatériel sous la forme d'informations. Nous ne pouvons pas vous donner les deux. Je ne comprends pas la relation entre les deux. Il y a encore tant de choses que vous ne comprenez pas, mais après notre explication, ce problème sera résolu. Êtes-vous vraiment prêt à me donner des explications durant 2 jours? Le ton de ma question exprimait clairement ma surprise. Certes, au moins 2 jours, une durée moindre n'aurait aucun intérêt. C'est le temps minimum pour vous donner les notions les plus importantes. Nous avons tout notre temps. Les voyageurs de l'espace ne sont jamais pressés, mais nous devons vous avertir. Nous doutons que les informations que nous vous donnerons vont vous rendre la vie plus heureuse. Assurez-vous de savoir ce que vous faites. Je haussai les épaules. Il me semblait que ces êtres exagéraient un peu, mais je ne voulais pas laisser passer une telle occasion pour rien au monde. Alors, en même temps, ils parlaient de la race blanche, tout ça, d'accord, mais en même temps, qu'ils s'occupent aussi de leur truc, leurs oignons aussi, ce côté-là. D'accord, non, mais, sur le coup, ça me fait un petit peu, ouais, bon. J'aimerais savoir comment c'était sur la planète bien avant, voilà. Peut-être qu'il y avait un système de religion, je sais pas quoi. Ouais, je pense que j'aurais quand même renvoyé là-bas, là, me semble. Bon, je suis disposé à courir le risque, que dois-je faire? Nous avons une petite chambre de décompression stérilisée. Ce n'est que de là que vous pourriez nous entendre et regarder des images sur l'écran. Vous devrez apporter de la nourriture, des boissons de votre navire qui devra rester ici. Nous devons encore vous avertir. Vous deviendrez plus sage par cette expérience, mais pas plus heureux. Nous pouvons repartir avec notre bateau quand nous voulons, naturellement, mais si vous le faites, c'est pour de bon. Et avec notre bénédiction, nous vous demandons maintenant la promesse solennelle, à vous, à votre réponse, que tant que nous serons ici, vous ne contacterez personne d'autre et ferez tout ce que vous, en votre pouvoir, pour garder notre présence secrète. J'ai besoin d'en parler avec ma femme, c'est magnifique, naturellement. Mais ma décision a été déjà prise. Je ne vous ennuierai pas avec les objections de Myriam, ni avec la dernière partie de ma conversion avec les étrangers, qui consistait seulement en un certain nombre d'instructions au sujet de l'ancrage, de l'éclairage et des signaux d'avertissement. La visite elle-même commençait tôt le lendemain matin, ce qui nécessitait des préparatifs. Les deux personnages ont fait demi-tour et, chargés de leur appareil, disparurent aussi rapidement qu'ils étaient venus. Comme un somnambule, je suis allé lentement vers la proue et, comme convenu, laissé l'encre tombait sur le fond de métal dur avec un morceau de chaîne supplémentaire. Immédiatement, la plateforme s'enfonça en bourdonnant et fut suivie d'un choc terne et le navire flotta dans son élément. Une fois de plus, peu de temps après, mon cerveau reçut un autre choc. Le silence de la nuit fut rompu par un bruit terrible, un bourdonnement combiné d'un bruit strident de scie circulaire. Bon, ça ne va pas être très agréable. Déjà, on essaie d'imaginer la scie circulaire, genre là, un petit peu dans la tête quand même. La chaîne d'ancrage subit une secousse violente et la surface de l'eau s'est étrangement agitée. Le vaisseau spatial faisait office de remorqueur sous-marin. Nous étions tirés en avant dans un large sillon d'écume, illuminé d'en bas par un éclair de lumière jaune-vert.
Le bruit était surnaturel et effrayant. Je regardais fasciné et commençais à me demander dans quoi je m'étais embarqué. Eh ben voilà, je pensais qu'il y a plus de pages. Prochain chapitre, je pensais que c'était beaucoup plus long. Alors là, c'est très intéressant. À bord du vaisseau spatial. Que je rappelle que ce genre de livre-là, Macbeth Mon, c'est très très bien. De toute façon, j'ai encore une vidéo à balancer, une ou deux, je n'ai pas fini. Les David Rousseau, c'est très très bien. Des Nadanon, c'est très très bien. Des Patricia Barrett, c'est très très bien. Bon, Andrea, autre chose, c'est pas, c'est plus des visions sur Mars. Bon, voilà. Mais là, c'était à plus de 50 ans. Comme Elisabeth Clarer, comme Georges Adamski, j'en ai sûrement oublié d'autres. Hein. Je veux dire, et puis là, c'est encore mieux parce que là, ils s'en vont carrément sur la planète. Hein. Imaginez le truc. Hein. Non, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est pas nouveau. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui ont des histoires incroyables, sont peut-être morts, ils ont porté leur secret avec eux, et on n'en ressaura jamais. Hein. Et peut-être même encore antérieur, les années 60, 50, 40, au courant. On va savoir. Voilà, magnifique. Ah, moi, je trouvais ça fascinant. Je peux vous le montrer, je vais vous le remontrer d'ailleurs. Bon, même si c'est un peu flou, j'en fais les photos. Voilà. Ouais, bah si tu regardes bien les bras, tout ça, ils touchent vers les genoux. Hein. Et les pieds, on dirait qu'il n'y a que deux orteils ou je sais pas quoi, ça c'est curieux. Voilà. Confrontation. Alors. La flèche pointe en direction de l'endroit dans l'Escaut oriental, Zélande, où le contact eut lieu au milieu des années 60. Ah, déjà, tu vois. Voilà. Bon, je vais faire la photo, même si c'est flou. Et la tête. De toute façon, on l'envoie sur la pochette. Représentation des types extraterrestres, tels que vu que par Stéphane Denaerde. Autre illustration un peu plus loin dans le livre. C'est vrai que ça fait penser à un animal ou à un singe, je sais pas, je sais même pas comment dire ça. Surtout qu'en ce moment, je me retape la planète des singes, rien à voir. Mais... Enfin, la dernière trilogie qui est sortie, j'ai pas eu le dernier, je pense qu'il doit être pas mal. Nouveau Royaume. C'est marrant, ça me fait penser à ça, je sais pas si t'as enlevé la crête au-dessus, il y a une tête d'animal, le nez, ça fait penser à un singe aussi, hein. Je suis désolé, mais bon. Voilà, c'est. Un drôle d'extraterrestre quand même. Un drôle d'aspect. Là, ici, c'est encore une présentation différente. Ah, ça fait même penser, je viens de penser à un truc comme un cheval, peut-être une zone comme ça. Imaginez un cheval, le devant, là, ça y est. Si tu enlèves ça, regarde. Le cheval, comme ça. Mais comme ça, trois quarts, on dirait le devant. À la limite, c'est plus allongé, ça ferait comme un cheval. Sur le cou. Tu enlèves la crête. Un mélange, on ne sait pas trop. C'est curieux. En tout cas, je suis content parce que c'est du très très lourd quand même. Alors, le tome 2, je ne sais pas parce que là, ces contacts ont fait l'objet d'un deuxième livre. Ouais, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'un jour, j'espère. J'attends aussi Tricia Brett au mois de juin. J'attends aussi David Rousseau. J'attends énormément aussi. Plus les deux autres livres, l'histoire paranormale. Un petit peu, la fois, j'ai vu des trucs incroyables dedans aussi. Et puis tout le reste, hein, j'ai pas fini, encore aussi Macbeth Mon derrière. Voilà. Magnifique. Je présente que ce livre-là, plus celui de Macbeth Mon parce que bon, il y en a, ouais, y en a des autres, mais au moins, ça correspond quand même dans beaucoup de points. Voilà. J'imagine qu'il n'y a plus de ce monde, ce monsieur, malheureusement. Ça c'est vachement intéressant. Et imaginez que c'est des histoires qu'ils ont plus de 50 ans. 50, 60 ans, à la limite. Imagine. Imagine. Voilà. Allez, je coupe. À la prochaine, certainement. Là, je fais la vidéo, nous sommes samedi, hein, donc, le 8. Hein, le 8 juin. Donc la prochaine vidéo, là je sens mon abord, c'est dimanche soir. La prochaine vidéo, ça sera certainement mardi, je pense. Ouais, mardi soir, je sais pas ce que je vais lancer, je vais voir. Peut-être civilisation ovni perdue, je sais plus quoi. Là. Je vais peut-être balancer ça, il y a un truc très intéressant avec les Pléiadiens, j'ai pas encore balancé. Peut-être que je balancerai ça là, je crois. Collectif, je sais plus quoi. Ouais, ça c'est Nadanon qui m'avait
offert, je sais plus si je l'ai acheté ou pas. Non, mais elle avait offert, je pense. Plus une veste que j'ai déjà. C'est pas mal, hein. Ouais. Je cope là, en tout cas, très très content parce que c'est du très lourd. Et ce que j'aime bien, c'est des histoires qui sont anciennes. Donc, c'est pas nouveau. Il y en a qui s'imaginent, oui, les Galactiques. Non, non, c'est pas nouveau. Ça existait déjà là. Et il y a peut-être même des autres histoires de personnes qui n'ont jamais voulu se décrire. Et puis voilà, c'est resté inconnu, hein, au top secret. Et puis voilà, ils ont porté leur secret jusqu'à leur tombe. Hein, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est fort possible ce que je dis. Hein. C'est fort possible. Hein. Truc de fou quand même. Parce que j'ai commencé à y feuilleter là. Ouais, la planète Yarga en plus. Oh, j'avais commencé à regarder. C'est un truc de fou. Après, on voit leurs vaisseaux, comment ils sont décrits. Voilà, ben, on rentre carrément dans le truc où il y a le vaisseau. On voit les êtres, comment ils sont dedans. Ben, c'est peut-être de voilà ce que je vais te faire là. Yargan. C'est Fa-si. Non. La planète Yarga. Voilà. Alors, c'est la planète Yarga qui est à peu près. À plus, qui a un peu plus de 10 années-lumière de la Terre. Ce qui est vraiment. C'est à côté. Enfin, c'est loin, oui. Mais 10 années-lumière de la Terre, c'est pas non plus. D'accord? À dire comme ça, oui, c'est énorme, mais là, c'est beaucoup moins que ça. Et bien que ces êtres ont la même origine et identité que les hommes, et que leur vie physique est comparable à de nombreux égards, etc. Alors, la planète est plus grande. La planète est plus grande, la gravité est presque de 3G, et la pression de l'atmosphère est à plus de 7 bars, avec plus d'azote et d'ammoniac dans leur air que dans le nôtre. Ça va être magnifique. Et ça sera le deuxième que je dirai. Bon, pour maintenant, on retournera un petit peu, je constate. Bien plus tard. Chapitre 2 à bord du vaisseau. Oh, d'ici 10-15 jours, on va dire. Et qui est assez long à lire aussi. C'est franchement, je suis bien content. Je devais le prendre depuis belle lurette et puis je viens de le prendre seulement maintenant. J'aurais dû le prendre bien avant. Pourquoi j'ai attendu comme un bébête, on va dire. Je sais pas. En plus, ce truc, il est pas si cher. Oh. Putain, si ce chapitre 2 il est comme ça, c'est très très long. Hein. Je sais même pas si. Oh là là. Alors, il est beaucoup plus long le 2. Hein. Peut-être que je ferai en double, hein, je sais pas. Parce que là, il est beaucoup plus long. Je vois. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt. Et d'ici, mardi soir, pas avant. A plus, et très content parce que ce genre de deal là, alors t'imagines un gars qui a ces expériences là à l'heure actuelle sur la planète Yarga là, avec des Yargans, tout le monde va sauter de sa gueule parce que vous imaginez, moi je trouve qu'on a rétrogradé. Hein. Moi je trouve qu'on a rétrogradé, surtout ici. Moi je trouve que oui, il y a d'autres pays qui n'ont pas de problème parce que je pense à Marc Batemont qui va aller en septembre, octobre, je sais plus quoi en Espagne pour raconter son histoire, c'est un truc de fou. Hôtel gratuit avec sa femme, tout, 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 mais en France, non, il ne veut pas entendre parler. C'est magnifique. Bon, bref, net, quoi, bref. Enfin, moi, ça m'écœure. J'ai pas d'autres mots, je sais pas quoi dire, ça m'écœure. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De ce côté-là, c'est. Bon, c'est quand même lamentable. J'ai pas d'autres mots. Lamentable. Allez, je coupe. Merci, à bientôt, et très content pour ce livre-là. Franchement, c'est pas très cher et puis chapitre 2, je commencerai à le lire. J'ai vu des trucs, c'est extraordinaire. À plus. Thank you.
Thank you.